Mais maintenant, on va parler du film avec vous, Philippe. Allez. Alors, je rappelle en deux mots, hein, Laurent a fait un petit peu votre bio tout à l'heure. Vous êtes auteur de polar, réalisateur de documentaires, réalisateur de Plus belle la vie, réalisateur de fiction. Ouais. Et là, vous réalisez votre premier long métrage pour le cinéma. Vous vous sentiez prêt? C'était le moment? Vous le ressentiez vraiment? Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, moi, j'étais prêt depuis 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Comme filière, moi, je me suis embarqué dans la télé. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au tout début, quand j'étais petit, mais il y a longtemps, j'ai fait une école qui s'appelait l'IDEC, qui maintenant s'appelle la FEMIS. Donc en fait, j'ai appris à faire de l'image, j'ai appris à faire de la réalisation, tout ce truc-là. Et donc le but dans la vie, c'était quand même d'arriver à faire des films un jour. Et en fait, il se trouve que je me suis embarqué dans une filière de télévision qui était vachement intéressante parce que du coup, j'ai fait plein de choses. Mm-hmm. J'ai fait des séries comiques, j'ai fait des téléfilms, pas mal. Et donc du coup, je me suis mis à faire de la fiction, mais en télévision et pas en cinéma. Donc c'est une case. En fait, le problème de ce pays, c'est que les cases, elles sont très... Eh oui, les étiquettes. Les étiquettes, elles sont terribles. Et donc, j'ai fait pas mal de choses en fiction pour la télévision. Et en parallèle, j'ai commencé à écrire des romans noirs, des choses qui étaient à la fois noires et à la fois drôles. Mm-hmm. Et j'avais quand même envie, depuis pas mal de temps, d'essayer de voir ce que pouvait donner mon univers littéraire et de la transposition de cet univers. Oui, parce l'image. Que c'est ce que j'allais vous dire, on reconnaît bien justement votre patte, voilà, hein, vous parliez d'humour noir. C'est de l'humour noir, c'est-à-dire que c'est toujours des histoires sur des mecs qui sont un peu à la marge, à la fois de la société et même à la fois de comportement cohérent, quoi, parce qu'en fait c'est quand même un peu, c'est terrible. Quoi. Et des cas sociaux, voilà. C'est ça, d'où le titre Cassos. Et donc, avec Cassos, j'essaie enfin de transcrire à l'image mes univers de polar. Et c'est vrai que faire un film comme ça pour une télé, c'est quasiment pas envisageable. Non. C'est-à-dire que un sujet comme ça, un traitement comme celui-là, et puis même le fait d'utiliser l'image comme j'utilise, c'est un film en scope, c'est un film en... C'est, pour la télé, c'était pas imaginable. Donc, alors justement, l'histoire, avant de regarder un petit extrait, vous nous faites le pitch, vous le ferez mieux que moi, certainement. Alors un pitch très rapide, c'est l'histoire d'un handicapé qui est muet et qui est... Non, pas du tout. Non, c'est pas ça, je l'ai vu, vous pouvez pas mentir. Hein. C'est l'histoire d'un type qui est petit notable de province, joué par Didier Benureau. Un type qui semble sans histoire, qui est complètement bloqué par sa femme, complètement martyrisé par sa femme. Et transparent, c'est le genre de gars qu'on remarque pas. Qui est un quinquagénaire complètement étriqué, qui n'en peut plus et qui décide de faire tuer sa femme, et qui donc pour ça se met en contact. Ben oui, mais parce qu'il y a un moment où il faut. Il prend les choses en main, c'est ça. Sauf que pas vraiment. Donc il se met en relation avec le milieu. Et en fait, c'est le transfert. Ce film raconte le transfert de personnalité pendant 2 heures d'un type qui, au contact d'un truand de seconde zone, devient lui-même truand, mais de seconde zone aussi. C'est-à-dire qu'on est, c'est quand même très bas de gamme, tout ça. C'est-à-dire que lui, il est, voilà. Et donc, j'ajoute en temps réel. Et en temps réel. C'est-à-dire qu'on est à Berlétan, notamment. Alors, dans juste un avant, très noir. Si vous le voulez bien, Laurent, après le pitch, on regarde un extrait et on revient sur le film. Allez. Americano, sienta me chi don fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi tu sientes disturbato. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, oh, qu'est-ce que tu fais? Comme dans les films. Comme dans quoi? Whisky e soda, rock and roll, whisky e soda, rock and roll, whisky e soda. Ah, t'aurais dû aller aux putes, ça t'aurait coûté moins cher. Le générique, la chanson, petit clin d'œil à vos origines. Petit clin d'œil à mes origines napolitaines, bien sûr. Donc c'est un film qu'on a tourné effectivement l'année passée. Vas-y Laurent. C'était quoi la question? C'était ce qu'on disait, l'univers de Philippe, toujours très noir, tourné en temps réel à Berlétan et entièrement réalisé ici à Marseille et dans notre région, ce qui est un cas unique. Entièrement finalisé, c'est-à-dire qu'en fait toute la filière de production de ce film a été faite ici. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'en fait on sent qu'il se passe un truc en ce moment avec le film de Dorothée Sebag par exemple qui est sorti. Oui, Chercher le garçon. Et où c'est très marrant. Parce que le producteur de Dorothée, c'est mon ingénieur du son. C'est Maxime qui a... Et on sent qu'il y a une espèce de... Alors, il y avait une volonté jusqu'à présent de faire des choses ici, et maintenant, il y a les vrais outils. Ce qui est vraiment très intéressant. Quoi. Toute la post-production de mon film a été faite à Marseille, dans une boîte qui s'appelle Planète Rouge, qui est à la Pointe Rouge. Et c'est génial, parce qu'en plus, on travaille à la maison, ce qui est quand même plutôt confortable, mais c'est surtout qu'il y a des compétences extraordinaires. C'est-à-dire que les gens, les techniciens avec qui je travaille, toutes les images de mon film ont été retraitées numériquement à Planète Rouge, et l'univers qu'on est arrivé
à installer, c'est vraiment parce qu'on a les outils et qu'on a les gens pour le faire. Quoi. Alors un film tourné la nuit, hein, vous le disiez, Laurent, en combien de jours? Très peu de jours. Hein. Alors en fait, on avait très peu de budget et on a tourné en 12 nuits. 12 nuits. Il faut savoir qu'un long métrage, habituellement, on le tourne en un mois et demi, deux mois. Mmh. Et là, en fait, ça a été une espèce de course infernale. Et en 12 nuits, on a tourné ce long métrage qui dure 1h29 et qui est... Ça doit donner un rythme intéressant. Alors, ça donne un rythme intéressant et ça donne surtout une énergie aux comédiens. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le temps de se poser des questions. Alors, on se pose des questions avant. Mmh. Donc, la préparation est grosse préparation. On sait où on va, on sait où on est. Petite équipe technique. Beau casting, parce que les acteurs sont vraiment super. En fait, ce qui s'est passé avec ce film, c'est que donc, c'est Didier Benureau qui fait le rôle de ce petit assureur et Simon Astier, donc de la famille Astier, Kaamelott, qui joue le rôle du truand. Et tous les seconds rôles sont joués par des comédiens qui faisaient déjà partie de ma tribu, c'est-à-dire des gens avec Patrick Bosso notamment. Patrick Bosso, Agnès Sora, Olivier Sitruc, Damien Jouyreau, Féodor Atkin, qui est immense. Enfin, Robert Assolène. Bob, qui fait un rôle fabuleux. Elodie Varlet, que je suis arrivé à récupérer chez mes camarades de Plus Belle la Vie qui nous font un plus joli rôle aussi. Franck Libert. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que les deux rôles principaux qui tiennent tout le film, effectivement, sont excellents, mais tous les rôles qui viennent comme ça s'ajouter. En fait, chaque rencontre de ce film, en fait, c'est un film qui est construit autour de 10 séquences successives. Mm-hmm. Et en fait, chaque fois, c'est des rencontres. Oui, moi, j'ai bien aimé le côté chapitré, justement, avec. Parce qu'il y a des, je sais pas comment vous appelez ça dans votre jargon, mais chapitré, le paquet des inscriptions, voilà, à chaque fois, c'est des chapitres, on va dire ça comme ça. Du coup, ça rythme un petit peu, comme disait Karine. Et chaque fois, en fait, on rencontre des personnages. Il y a les heures aussi. Ouais, c'est ça, il y a les heures qui passent. Et en fait, il y a les deux heures qui passent, puisque en fait, ça se passe en deux heures. Et chaque fois, chaque rencontre avec un personnage fait que le transfert de personnalité se fait. Et chacun des comédiens qui fait ses seconds rôles, en fait, c'est des gens qui tout à fait pu jouer le rôle principal du film. On est à un niveau qui est vraiment vachement haut. Mm-hmm. C'est aussi ce qui fait la cohérence du film. Et en plus, c'est aussi ce qui fait la crédibilité du film, parce que c'est vrai aussi, je suis parti dans un style et dans un rythme de montage et même de mise en scène qui est quand même pas commun. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un truc qui est assez lent, qui s'installe. On a l'installation de ce personnage, on a l'installation des rapports avec sa femme. Sur un plan qui peut paraître, effectivement, au début du film, il y a une espèce de plan séquence comme ça qui peut paraître très long. Sauf que si ce plan séquence n'était pas long comme il est, on n'aurait pas cet énervement de spectateur par rapport à la femme de Benureau. C'est-à-dire que l'empathie par rapport au personnage, elle vient aussi de cette espèce d'énervement qu'on a face au personnage d'Agnès, qui est joué par Agnès Soral. Mais ça, c'est simplement parce que c'est monté comme ça et que c'est une posture de mise en scène assumée. Quoi. Pour terminer, Philippe, le film a été présenté à Marseille mercredi. Ouais. Donc il est sorti mardi soir. Mardi soir, Il est sorti mercredi à Marseille. Il est sorti mercredi à Marseille. Il sortira mercredi prochain en sortie nationale, le 13 juin. Un bel accueil à Marseille. Alors, un super accueil à Marseille. Depuis, on est... Je crois que les résultats sont plutôt pas mauvais. Alors en fait, il est sorti dans un premier temps Marseille, Vitrolles, Berlétan, trois salles. Et à partir de la semaine prochaine, on le trouve un peu plus largement dans la région, parce qu'il va sortir à Aix, à Plan de Campagne, aux Variétés, à Marseille. Et il faut dire que c'est pas fini, il faut encore trouver des salles. Il faut trouver des salles. En fait, l'idée, c'est que c'est un tout petit budget avec une distribution un peu artisanale, les choses se font quasiment heure par heure. Donc je sais que la semaine prochaine, a priori, on sort dans une trentaine de salles, dont trois à Paris, sauf que je sais qu'on a trois salles à Paris depuis hier. Une avant-première à Paris le 14 juin. Et une avant-première aussi chez nous, ce sera Marignane à Saint-Exupéry, mardi soir, en présence d'Élodie Varlet, de Patrick Bosso notamment, et de Philippe Carrez, son réalisateur. Absolument. Bravo, Philippe, pour ce film. Et on lui souhaite longue vie et que beaucoup de gens le voient. Ça démarre pas mal. Je suis assez content parce que l'accueil. L'accueil sur le film est intéressant parce que c'est le public, globalement, de plein de gens différents qui arrivent à... qui apprécient. Je suis content. Mais nous aussi.